Petite poupée avec accessoires. Donc beaucoup d'accessoires. Là, on a un petit coupe-faim pour transporter bébé. Un petit coussin souple à l'intérieur. On a la poupée, donc elle est articulée, les mains ainsi que les jambes. On a le pot. Un petit doudou, un petit sac de transport, un pyjama, petit bonnet, petit slip, un bavoir, une couche, un petit jouet, un petit canard pour le bain, pareil pour le bain. Pour manger, on a une petite assiette avec les couverts, un petit tocher. Ici, on a un petit aliment, une petite conserve. On a le biberon, la tétine, le peigne, un petit jouet. Une brosse et un petit miroir. Donc après la qualité sur certaines choses, c'est pas donc là on voit le miroir, donc déjà on voit pas dedans et il est mal collé. Pareil le canard, on entend bien, c'est vraiment le plastique. Ensuite donc le bébé lui, donc la bouche, il peut pas l'ouvrir, c'est un peu embêtant pour le biberon. Ils auraient pu lui mettre une petite ouverture pour le bébé. La tétine, c'est pareil, il y a une tétine mais qui sert à rien puisque du coup, on peut pas lui mettre. Après, le bébé en lui-même, il est mignon, il a des yeux, il est plutôt sympathique. On pourra le changer avec tous les petits vêtements. Les petits chapeaux, donc pareil, ils nous mettent une brosse, mais on voilà, faut faire semblant de peigner, parce qu'il n'y aura pas de cheveux. Un petit lot sympathique. Après, pas forcément de la grosse qualité, mais sympa. Là, pour le transport, le coussin, c'est très mignon.